Seine, dans les rues de Paris, avec Jérémy Anne-Salag. Aujourd'hui, on parle de la venue de Charles III. Qu'est-ce que ça vous provoque ? Absolument rien du tout. D'accord. Il n'est pas Charles III, je suis désolée. Charles III, le roi d'Angleterre, du Royaume-Uni. Ah non, je suis désolée, ça me fait rien. La venue, avec tous les personnels qu'il y a, hein, il faut bien le nourrir, on va dire. Ça va coûter 3 milliards et il va y avoir un impôt qui va être prévu à cet effet. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'impôt du roi ? Écoutez, j'ignorais totalement. Ça va coûter à peu près le même prix que les Jeux Olympiques. 3 milliards ? 3 milliards. Ça paraît énorme. D'un côté, c'est un peu choquant parce que c'est vrai que nous sommes dans des périodes où nous avons des problématiques financières au niveau de notre pays. Mais je trouve aussi que c'est important de fêter cela et de pouvoir maintenir les bonnes que relations. Que les gueux payent pour la royauté, c'est normal. En ces temps difficiles, comme vous dites, voilà. est-ce que le peuple, ne devrait pas payer un peu pour avoir du rêve, de l'émerveillement ? La royauté, c'est quelque chose qui touche, qui émeut. Vous, le peuple, qu'est-ce que vous en pensez, des pouilleux, des paysans, oui. Alors, pour moi, sincèrement, je pense qu'il faudrait qu'on remette tout en place pour justement rétablir l'ordre et que chacun retrouve sa place. Et je pense que ça pourrait permettre à la France de rayonner davantage dans le monde. Gueux n'est quand même pas un terme très... Les pouilleux, les pouillos. De mieux en mieux. Non, ça, je... Le bas peuple. Non. Encore moins. Vous avez l'étoffe, en tout cas, vous avez un physique qui irait bien avec le royalisme. J'ai des ancêtres de Montaigne, donc c'est aussi une partie de moi. Ah, vous êtes aristocrate, vous avez du sang bleu. C'est ça, j'ai du sang bleu, exactement. Moi aussi. Comment vous appelez ? De Montaigne. De Montaigne, moi j'aurais mis de Bridoux. Enchanté. Et vous, vous avez du sang bleu ? Oui. Ah oui, aussi. Oh, magnifique, magnifique. En Espagne ? Voilà. Ah, d'accord. Vous avez un physique de prince. Ben écoutez, vous êtes bien portant comme moi. J'en suis ravi. Tous ces gens minces qui mangent à peine à leur faim. Vous déconnez, là, c'est pas possible. Pourtant, quand on nous voit, on est beaucoup plus sains que les autres. Mais bien sûr, tout à fait, on a des bonnes racines. Je pourrais dire qu'on a du sang bleu tout d'abord, ce qui permet... Enfin, surtout nous, vous, surtout Espagne. Nous, voilà. Peut-être qu'on pourrait faire à trois et vivre la royauté tous les trois, ça pourrait être sympathique. Un, deux, trois. Vive la royauté.